MATEC F411 qui est livré avec une jolie petite plaque de support comme ça qui tient avec des petits plots. Je vais souder juste les sorties cerveau gauche-droite, les deux suivantes, au cas où. Et puis je vais laisser aussi une petite pinouille pour les LED. Comme ça, si je mets une lampe derrière, je pourrais l'enlever, la mettre ou pas la mettre, suivant les... si on a besoin ou pas. Et puis je vais mettre aussi des petites pinouilles sur les entrées caméra. Après, dans les entrées sorties suivantes, j'aurai le buzzer qui va être soudé à demeure, il n'y a pas de raison de l'enlever. VS bus pour le récepteur, pareil, ce sera soudé. La télémétrie, ça doit aller par là ou par là. Et avant de brancher le reste de l'électronique, GPS, etc., il y a une vérification importante à faire, c'est de mettre le alimenter le bazar en 12 volts. Gardant le bouton un DFU appuyé, on branche la prise USB. Ensuite, on lance le configurateur. Mon flasheur, on va charger le firmware que j'ai préparé en local, donc à INAV2 pour la MATEC F411. On se connecte. Première chose qu'on va faire, on va calibrer l'accéléromètre. Donc on met avion la carte dans le bon droite, après on la met à l'envers, ça n'a pas besoin d'être super précis. Alors après on met le côté droit vers le bas. Alors là, comme moi j'ai la carte, elle est montée à l'envers, elle est montée à 180 degrés. Pour moi le côté droit ça va être le côté gauche. Ensuite, on lui met l'arrière de l'avion vers le bas, donc comme elle est à l'envers, c'est le nez. Après, côté gauche. Et enfin, dans ce sens-là. On se regarde en reboot. Ouais, effectivement, comme ma carte est montée à 180 degrés, on va corriger son orientation dans la configuration. On va ici, moi je vais mettre 180 degrés, en sauvegarde, en reboot. Et là maintenant, normalement, voilà, on a bien back, on a l'arrière de l'avion quand on tourne à gauche, à droite. On va charger le mixeur. Pour une aile volante, donc c'est airplane, c'est une flying wing, c'est une aile normale. On charge, on applique. Ensuite, les presets, on va mettre le. On peut mettre, vu que c'est une Z84, et ben on va mettre la Z84. On applique. On redémarre encore. On va s'occuper des. Port. Le S-bus qui est pré-réglé déjà, on a le GPS qui est sur l'URT2 qu'on va mettre à 115 kg. Bon. Et on a le soft serial qui va nous faire la télémétrie sur le serial numéro 1. La vitesse, on peut la former, c'est automatique, mais moi j'aime bien la mettre à 57. En sauvegarde, en reboot. On va activer notre GPS.
en sauvegardant ma boîte. Alors là, le GPS il marche pas, c'est normal parce que il faut alimenter le reste des appareils. Donc on va mettre du 12 volts. On voit que le GPS s'aligne en bleu. On voit qu'il communique. Alors c'est normal qu'il y ait des timeout au début quand on branche. Les premiers échanges se ratent et puis après quand le compteur monte comme ça, 5 et 5 Hz, c'est bon signe, c'est que tout marche. On va passer à la configuration. On voit qu'on a bien les accéléromètres, on n'a pas de magnéto, c'est normal. On a bien un baromètre sur celui-ci. On a bien notre carte qui est à 180 degrés. On va autoriser les sorties moteurs. Le SESC, on va laisser comme ça. Le SESC, je laisse 50 Hz. Je vais régler mes commandes de gaz mini et maxi qui doivent être évidemment les mêmes que les ESC. Le contrôleur de vol, je vais le mettre à 1 kHz synchronisé avec les gyros. Là, ça me plaît pas bien ce réglage. Je vais le mettre plutôt à 42 Hz. Le failsafe, on va vouloir, quand on a une perte radio, on va vouloir revenir. Alors, étape suivante, on va vérifier qu'on a bien le récepteur. Donc, on va mettre la radio en marche, évidemment. On va alimenter le récepteur. À l'entrée, on voit qu'on a déjà bien les cerveaux, on a bien le rôle. On a bien le pitch, on a le U, on s'en fout, ça sert à rien. Sur une aile volante, on a les gaz. Et là, j'ai mes 1, 2, 3, 4 inter. Et j'ai le cinquième ici. Et j'ai réglé la radio là pour avoir le RSSI sur le dernier canal. Ensuite, dans la barre récepteur, on va lui préciser que notre canal RSSI, c'est bien le numéro 16. Ensuite, on va régler les modes. Lesquels j'utilise ? Donc, c'est bien le canal 5. Canal 5. Donc, moi, je veux que là, ça fasse rien du tout. Je suis dans la dernière position, je suis armé. Ça, c'est bon. Après, je vole en mode. Le canal 6, c'est celui-ci. Donc, je veux que ça soit en mode angle. Ça, je veux que ça soit en mode manuel. Canal 6 sur la troisième position, je suis en angle ici, en accro au milieu, et sur la troisième position je suis en mode manuel. L'internavigation doit être le 7 qui est celui-ci. Donc je vais être en deuxième position, je vais être au maintien de position, maintien d'altitude. Et sur la troisième position, je vais être en RTH. Sur le canal 7. Donc celui-ci, c'est vol normal. Ça, c'est mon internavigation, donc c'est normal. Maintien de position, maintien d'altitude. Retour à la maison. Et j'ai ensuite mon canal 8. Et celui-ci, je veux que ça déclenche le buzzer, qui pour l'instant n'est pas soudé, mais je vais le rajouter. Donc pas de buzzer, buzzer. Le mode auto-launch, c'est sur mon canal 9. C'est ce bouton-là. Je veux que quand je le mette comme ça, un peu large, plus, voilà, ça paraît tout bon. Alors, sachant que la logique, c'est que normalement, ces deux inter, quand je décolle, je suis en mode 1, ces deux inter, j'arme. Je mets l'auto-launch, hop, on décolle, on lance. Après, je touche plus ni à ces inter-là.
ni à celui-là. Et en vol, je pilote avec celui-ci. Si je change de mode et je fais du RTH ou du maintien de position avec ces deux-là, donc je touche qu'à ces deux-là. Et deux sticks, et normalement, j'ai plus à toucher à ceux-là une fois que je suis parti. Le buzzer, évidemment, c'est pour quand on l'a perdu, ben, on fait biper. Là, on voit que j'ai le roll qui n'est pas tout à fait à zéro. Donc, ce que je vais faire, je vais l'ajuster sur la radio. Alors là, on va faire une petite pause dans la programmation. On va retourner à la mécanique et je vais profiter que mes cerveaux soient à zéro. Donc, je le mets en mode accro. Ils sont centrés à 1500 et on va mettre l'échappe pour vérifier que tout est dans le bon sens. Voilà, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté les longueurs des tringles de façon à ce que quand la chape est perpendiculaire à peu près à l'aile, j'ai ajusté la longueur pour que l'aileron soit à peu près centré. J'ai mis un petit peu de réflexe là, qui est 1 ou 2 mm sur cet avion, c'est normal. Les ailes volantes volent toujours un petit peu avec un petit peu d'aileron vers le haut. On va vérifier qu'on ait bien les ailerons qui bougent dans le bon sens. Là, c'est pas le cas, parce que quand on tourne à droite, les deux ailerons se lèvent. À gauche, les deux se baissent. Donc là, on voit en fait qu'on a l'aileron de gauche qui est inversé. Quand on tourne à droite, il devrait descendre. À gauche, il devrait se monter. Donc comme c'est celui de gauche, c'est le numéro 3. On va l'inverser dans le mixeur. L'aileron numéro 3, on va lui inverser ses deux valeurs, sa source roll, sa source pitch. Donc on voit que c'est le cerveau numéro 3, c'est le cerveau de gauche, suivant le dessin. Celui de droite, il tourne dans le bon sens, donc on n'y touche pas. On sauvegarde, on reboot. Et là maintenant, on voit que quand on va tourner à droite, à gauche, on monte et on descend, c'est dans le bon sens. Ah, si, une chose importante, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre à plat. On va mettre la carte de vol à plat. Donc pour ça, on vérifie dans le set. On n'a pas besoin de la radio pour ça. On vérifie que dans le setup, on a l'avion qui bouge dans le bon sens, gauche, droite. Descendre, monter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à plat. On va essayer de deviner un peu comment il va voler. Dans la pratique communelle, ça vole toujours un petit peu le nez en l'air. Je vais caler un petit peu sur mon établi, dont je sais qu'il est à peu près à plat. Je vais monter un peu le nez comme ça. Comme ça. Et ensuite, dans la configuration, on va ajuster les angles ici. On va caler en fait le contrôleur de vol pour qu'il soit à 0 degré à la fois dans le sens du roulis et de la profondeur. Donc le but, c'est qu'on va changer ces deux valeurs ici. Et là, j'ai 180 évidemment parce que ma carte fait face à l'arrière. Le but, c'est d'avoir leur leading, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Le but, c'est d'avoir le pitch et le roll ici à 0. Donc il faut donner l'offset en fait en angle. Alors comme la carte est à l'envers, c'est un peu contre-intuitif. Faut un peu tâtonner. Je pense qu'en mettant moins 2,4, on va commencer par moins 2. Voilà, en mettant 2,4, j'ai presque corrigé l'erreur, donc c'est bien ça. Quand la carte est à l'envers, il faut mettre une valeur négative et vice versa. Il faut toujours un peu tâtonner dans ça, donc pour corriger le moins 1. Donc là, je vais mettre moins 2,4. Et là, pour corriger le moins 1,1, je mets moins. Si la carte était dans le bon sens, il faudrait mettre des valeurs positives. Et là, dans le setup, on est à 0.